Boulan Blanchardot, j'expose des photographies en fait sur un reportage en Inde d'un trajet de train. Donc c'est des photographies plus des portraits ou des portraits du train et des abords, le titre étant à bord du train du Concan, puisqu'on présente, enfin les photos représentent en fait soit des passagers du train, l'intérieur du train ou des rencontres en fait que j'ai pu effectuer sur les abords de ce train. Donc toutes les photos ont été prises en argentique. Au fil des rencontres, les spectateurs pourront découvrir les différentes rencontres que j'ai pu réaliser. Donc l'idée de départ, ouais, c'était avant de partir de choisir un sujet en fait de train. Par rapport au fait que les personnes pourront en France avoir un lien par rapport à ce qu'ils connaissent en France. L'idée, c'était vraiment de trouver un thème avant d'aller faire ce voyage pour pouvoir s'arrêter sur quelque chose de particulier en Inde, puisque le train, en fait, c'est le moyen de locomotion le plus utilisé. Donc ça permet aussi de voir les différentes catégories de la population. Même si les photos, en effet, représentent plutôt l'Inde moderne. Donc moi, c'est le regard que j'ai sur cette Inde-là, c'est-à-dire qu'on voit plutôt des personnes souriantes, des personnes qui ont voulu nous montrer leurs conditions de travail et qui en sont très fières. Ce train, en fait, c'est l'une... Enfin, sur ce trajet-là, en tout cas, c'est l'un des derniers... trajet qui a été effectué, donc en fait c'est une ligne moderne, donc en fait on ne voit pas d'animaux dans les trains, mais par contre c'est vraiment une ligne qui permet de désenclaver, donc on a vraiment toutes les catégories de population qu'ils prennent pour le travail ou pour autre chose, mais l'idée c'était vraiment de montrer les conditions actuelles, c'est-à-dire l'Inde moderne en fait.